Bonjour Françoise Popineau. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général du SNUIPP-FSU, principal syndicat des enseignants, et vous avez suivi, comme des millions de Français, l'allocution du président Macron hier soir sur le retour obligatoire des élèves, des écoles et du collège à partir du 22 juin. Alors comment réagissez-vous à cette décision? Est-elle positive selon vous? Alors déjà, on observe quelque chose, c'est que le président Macron devance tout le monde, hein, c'est son principe. Il annonce des promesses, hein, il donne à entendre ce qu'on a envie d'entendre, hein. Aujourd'hui, les familles ont besoin de reprendre le travail, donc elles ont besoin de mettre leurs enfants à l'école. Donc le président Macron dit, bah, ce sera donc possible. Et à partir de là, eh bien, ça s'enchaîne, hein. Tout le monde doit donner raison au vœu du président, hein. Donc tout le monde s'inscrit là-dedans et le ministère, ben, effectivement, n'a pas anticipé la chose. Donc on est dans l'improvisation. On ne sait pas de quoi sera fait le protocole. On ne sait pas sur quelle autorité médicale tout cela s'appuie. Donc on ne sait pas comment va se décliner réellement le protocole. On a quelques éléments, mais on n'a pas tout. Et surtout dans les écoles, ben, pour l'instant, ils n'ont rien du tout. Et c'est à eux de mettre en place ce protocole. Et plus on avance dans le temps, moins ils ont les directives, moins ils auront de temps pour pouvoir préparer cette nouvelle organisation. Ce n'est quand même que la troisième depuis le début d'organisation qu'on leur demande. Alors effectivement, sur la méthode, on est toujours assez surpris de voir qu'effectivement, on a quelqu'un qui fait un vœu finalement. Et nous, les petits génies derrière, il faut qu'on mette tout en musique pour que le vœu de Monsieur le Président se réalise. Alors, ce protocole, on le connaît, il est un petit peu allégé. Il y a quelques pistes qui ont été annoncées par le ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui. Il a déclaré notamment que la règle des 4 mètres carrés d'espace par élève était abandonnée au profit d'une distance de 1 mètre latéral par enfant. Ce nouveau protocole sanitaire allégé vous semble-t-il adapté à la situation, sanitaire qui s'est nettement améliorée? Alors, la situation sanitaire s'est améliorée parce que nous avons aussi respecté les gestes barrières. C'est aussi par nos comportements qu'on a réussi à mettre le virus à distance. Il faut jamais oublier cette notion-là. Le virus est toujours présent, mais effectivement, on a réussi à le mettre à distance. Donc, effectivement, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que la distanciation ne serait plus que latérale. C'est-à-dire les enfants auraient 1 mètre sur le côté de séparation avec leurs camarades. Alors, il ne faut pas croire qu'on gagne beaucoup parce que finalement, quand on a un camarade devant soi avec sa table, il faut quand même qu'il ait la possibilité de reculer sa chaise, de pouvoir sortir. Donc, ça demande quand même une certaine distance entre les deux tables. On ne peut pas les coller non plus. De même, sur le côté, si on a une table à deux places, hein, ce qui arrive beaucoup dans les écoles, on ne peut mettre qu'un enfant sur une table à deux places. Donc, ensuite, il faut une séparation, un couloir pour pouvoir circuler, et ensuite une autre table à deux places. Donc on voit bien quand même qu'au final, on va mettre trois enfants sur le latéral, pas forcément au-delà. Donc tout va dépendre de la surface de la classe, du mobilier, des effectifs de la classe. Donc on n'est pas encore, tout ça est incertain. Donc la parole présidentielle hier était sans précaution aucune. On laissait entendre que toutes les écoles pouvaient accueillir tous les élèves. Or, aujourd'hui, avec l'annonce d'un protocole qui maintient ces 1 mètre, et bon, on n'est pas très surpris puisque visiblement on n'a pas remis en cause la distanciation, hein, dans notre société. Donc, avec cela, on va avoir des classes qui ne pourront pas accueillir tous les élèves. Il va y avoir de la déception des familles, hein, qui ont compris que tous les enfants seraient accueillis et qui vont voir que dans certaines classes, on ne peut pas accueillir tous les enfants. Donc, il va y avoir de la déception et les enseignants vont se retrouver de nouveau en étau entre une promesse gouvernementale et des parents qui veulent que leurs enfants reviennent à l'école et un protocole qui ne permettra pas complètement cette mise en musique. Donc, une fois encore, les enseignants vont être au milieu d'un feu croisé et sans doute feront-ils encore l'objet de critiques, hein, parce que visiblement, c'est un sport national. Alors, l'autorité médicale a jugé que le retour à l'école était possible, mais que les risques étaient faibles. Alors, les craintes, j'imagine qu'elles sont aussi parmi les enseignants, puisqu'un certain nombre d'entre eux doivent
avoir une petite appréhension sur cette reprise. Qu'est-ce que vous avez comme retour de la part des enseignants? Alors d'abord, nous avons plusieurs types d'enquêtes hein, sur la contagiosité des enfants. Hein. Alors on a retenu celle qui nous arrange, hein, c'est qu'effectivement les enfants seraient moins vecteurs que ce que l'on pensait. Pour autant, on sait qu'il y a des enfants qui sont malades du Covid hein, et qui peuvent présenter une charge virale suffisante, d'autres études le disent, pour pouvoir contaminer. Mais même si on part avec cette hypothèse favorable que les enfants, et souhaitable en plus, hein, que les enfants d'abord sont peu atteints par la maladie, ça on le sait, et qu'en plus contaminent peu, ce serait formidable. Même si on parle de cette hypothèse, il faut savoir que plus on accueille d'enfants, plus il y a d'adultes dans une école, plus il y a de familles, plus il y a de personnel communal pour la pause méridienne, pour la garderie, pour la cantine, plus il y a d'ATSEM, d'AESH, d'enseignants. Donc là, on a une chaîne de transmission quand même, parce que le virus, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est quand même actif quand il rencontre des adultes. Donc là, on a une chaîne de transmission qui est quand même important. Donc nous, on en appelle à la vigilance. Certes, il y a des études, certes, sans doute, aujourd'hui, pouvons-nous relâcher un peu, mais attention, ce serait un peu léger pour 15 jours de classe de manquer de prudence et de remettre le compteur à zéro en matière d'épidémie et de recommencer une deuxième épidémie au moment des vacances scolaires. Ce serait quand même, voilà, alors on espère que tout est fait avec beaucoup de prudence et que tout est fait dans les règles de l'art. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a également précisé que la reprise totale des cours ne concernerait pas les lycéens. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, de toute façon, il est difficile pour les collégiens comme les lycéens, à partir du moment où les examens sont finis, il est très difficile d'envisager une reprise de l'école. On manque un peu de motivation, hein, c'est évident, donc c'est compliqué. Et puis, on le sait derrière cela, on sait que les lycéens peuvent se garder tout seuls, donc ça n'empêche en rien les parents de reprendre la route du travail. Donc c'est pourquoi on est si axé sur l'école. Nous, on était hein, pour un retour à l'école obligatoire, parce que l'école de la République, c'est une école égalitaire, il faut que tous les enfants puissent revenir. On était aussi favorable au fait que les enfants reviennent à l'école quand l'épidémie serait stabilisée, qu'ils reviennent à l'école pour effectivement revenir un petit peu, reprendre le rythme de l'école, et puis surtout pour fermer l'histoire qui se raconte dans une école, dans une classe, et pouvoir démarrer l'année suivante. Donc c'est une très bonne chose que les enfants reviennent. Tout ça va dans le bon sens, mais ce qui ne va pas... Même pour quelques jours. Imprudente, qui dit que tout le monde va revenir tous les jours de la même manière, comme avant, sauf que c'est pas comme avant. Voilà. Voilà, ok. Merci Madame Popineau, et l'humanité suivra les conditions de cette reprise scolaire particulièrement. Merci, au revoir. Ou pas, à bientôt. Au revoir. Au revoir.